Bonjour ou bonsoir, c'est Patti Anzam et Queen P. Le sujet d'aujourd'hui dans les merveilles de la vérité, c'est une bonne nouvelle. Il s'appelle Garde ta paix. Alors, on va lire ensemble le psaume 34 tout en entier, c'est juste un petit rappel. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir de bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie, parce qu'elle est le chemin, la vie et la vérité. Donc j'espère en tout cas que ça t'a un peu plus éclairé par rapport à l'identité de Dieu. Toute chose a une fin. Tu te poses trop de questions. L'Éternel entend les cris des malheureux. Il connaît ta situation, et il te demande malgré ça de garder ta paix. Peu importe ce que tu traverses, et l'oronine est si raté, comme on dit chez nous, quelle chose n'a pas de fin? Il est l'alpha, il est l'oméga. La situation que tu traverses, elle va forcément se terminer. La fin va te terminer si tu avais fait le bon choix. Parce que si tu avais fait un bon choix, ça va bien se terminer. Si tu avais mal choisi, ça va mal se terminer. Mais Dieu sera avec toi, dans tous les cas. Mais n'oublions pas que dans sa parole, il dit ne touchez pas à mes oins. Et il est celui qui change le temps et les circonstances. Quelque chose qui a mal commencé peut très bien se terminer avec Dieu. Même si les attaques sont trop lourdes, c'est à toi de comprendre que dans cette parole, l'Éternel dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Il est avec toi et il les arrache au danger. Tu es protégé, tu n'as rien à craindre parce que l'Éternel désormais est avec toi. Quand tu connais la parole, tu vois ce chapitre, tu devrais méditer dessus, ça va te redonner la confiance en Dieu. De comprendre que quand tu te sens mal, en fait, c'est une porte que tu as laissée ouverte, peut-être à cause du doute, à cause de la tristesse, à cause du fait des pensées négatives. Et par la grâce de Dieu, quand tu te ressaisis, tu ouvres la parole, tu regardes un psaume comme le psaume 34, il est tellement fort, il te montre que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Tu n'as rien à craindre. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas embrouiller l'esprit par le diable. Ce que tu fais aujourd'hui, tu as l'impression d'être revenu en arrière, c'est parce que tu as cessé de prier, tu as cessé de croire, ta foi a baissé. Et donc le diable en a profité. Tu étais dans un bon élan, mais il a suffi d'un doute, une déception, et tu es retombé en fait. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu, parce que l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est lui le grand consolateur. Je ne sais pas ce que tu cherches dans le monde, mais tu es en train de perdre du temps. Reviens vers lui. Tu risques d'être déçu quand tu vas te confier à un homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme peut te trahir. Mais Dieu est un ami fidèle. Arrête ce que tu es en train de faire là. Actuellement, ce que tu fais là ne convient pas à l'image de Dieu, à un enfant de Dieu, on va dire. Le diable est en train de te mentir. Tu ne devrais pas te réjouir de ce qui se passe actuellement, de ce que tu fais. N'oublie pas que le diable ne veut pas partir tout seul en enfer. C'est pour cela qu'il attaque les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il s'acharne ainsi. Tu devrais te ressaisir et ne pas perdre foi. Parce que lui, en tout cas, c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui ne crois plus. Je vais te raconter l'histoire de cet homme qui était malade, une maladie incurable, mais qui avait la foi qu'il serait guéri par la grâce de Dieu.
Un soir, alors qu'il doutait, Dieu lui a montré en vision un démon qui se tenait près de lui et lui répétait des choses dans les oreilles, qui lui faisaient rentrer le doute. Et dans cette vision, l'homme s'est vu avec de la lumière qui sortait de sa bouche, et cette lumière était en fait la parole de Dieu, des versets bibliques qui répétaient et qui cassaient le démon. Le démon se recroquevillait et tombait à terre. La parole de Dieu est un bouclier, est la lumière qui rabaisse les ténèbres. Reviens vers Dieu, reviens vers lui. Dis-toi qu'il est là pour toi. Arrête de te renfermer. Ne sois pas égoïste. Tu n'es pas le seul, la seule à avoir des problèmes. On oublie souvent que c'est lui qui agit là où on manque de force. Parce que parfois, on essaye de chercher des solutions, mais lui, en fait, il est le Tout-Puissant. On a la chance d'avoir un Dieu vivant déjà de un, et de deux, un Dieu qui nous demande de garder notre foi, de garder notre paix. Moindre situation, aux hommes, t'es émotion, tu es trop sensible. Tu paniques, tu t'énerves, tu te mets en colère vite fait. Tu as tendance à mettre la faute sur les autres. Tu reçois un coup de fil, ça te démoralise et tu te dis, tiens, j'étais bien avant qu'elle m'appelle, avant qu'il m'appelle, pourquoi est-ce qu'il m'a appelé, regarde comment je me sens maintenant. Dieu dit, gardez votre calme. Si tu as envie d'être déstabilisé à la moindre situation, c'est parce que tu laisses la porte ouverte. Peu importe la mauvaise nouvelle, tu peux aussi rester calme. Tu chasses la négativité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va marcher. Si tu crois, tu vas le recevoir. Si tu crois de tout ton cœur, tu recevras la paix. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Donc tu n'as rien à craindre. Quand il se passe des choses où tu sens que tu as perdu le contrôle, c'est parce que tu as voulu perdre le contrôle. Parce que si tu regardes bien, dans la même situation que toi, une autre personne a gardé son calme. Elle a eu de la maîtrise. Le changement, c'est juste une question d'habitude. Avoir la paix, c'est quelque chose qui se travaille petit à petit. Au lieu de t'énerver, tu peux aussi rester calme. Je parle en connaissance de cause. Être colérique, c'est pas ma nature, mais les expériences qu'on encaisse parfois changent notre état d'âme. Mais par la grâce de Dieu, quand on est conscient en fait du défaut qu'on a, déjà la prise de conscience, c'est vraiment une preuve d'intelligence. Ça aide à vraiment changer. Donc dans les situations où d'habitude tu te mets en colère, tu vas apprendre à changer. Même si des fois tu vas manquer de contrôle parce que c'est pas facile de changer. Donc petit à petit, tu vas commencer à rester calme. Tu dois apprendre à rester calme. Peu importe le mal qu'on t'a fait, qu'on te fait, qu'on veut te faire, Dieu voit tout. C'est lui qui châtie en son temps, il est le Dieu de vengeance. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu dois apprendre à rester vraiment calme, parce que Dieu dit ne touchez pas à mes oints. Il y a des gens sur cette terre qu'on ne peut toucher. Il est le père des orphelins. Il est celui qui protège la veuve. Il est celui qui protège le juste. Il est celui qui fait tomber les méchants, qui les anéantit. Matthieu 14, 27 à 33. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il est avec toi. Ne te laisse pas aveugler par tes problèmes, ne te laisse pas enfoncer par comment dire, comme s'il n'y avait pas de solution. Parce qu'il est la solution. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête? Pourquoi est-ce que tu t'embrouilles les idées, les pensées? Il est la solution. Avant la tempête, pendant la tempête, quand tu doutes et que tu t'enfonces, il te prend par la main et il te ramène à bon port. Il est le Fils de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aie recours à son nom. Bélé la Kombonae. Invoque son nom parce que c'est Jésus qui sauve. Le monde ne pourra pas te sauver. Tout ce que tu vois, c'est illusoire. Parce que dans ce monde, du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Ton ami, ton mari, ta femme, ton enfant, ton travail, ta maison, ta voiture. Mais Dieu, lui, sera. Il sera toujours là. Comme il a été avec Moïse, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il sera toujours là. Un ami. Tu vois, Dieu, c'est cette voix subtile
à laquelle on ne fait pas attention. Il parle tellement légèrement, avec amour, avec douceur. La voix est tellement petite, mais en même temps très profonde, parce qu'elle ne parle pas qu'à tes oreilles, mais elle parle à ton cœur. Elle est tellement rassurante, cette voix. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, mais c'est une voix qui te dit, ne pleure plus, je suis là. C'est une voix qui te prévient de ne pas rentrer dans cette direction-là. Et plus tu t'accroches à lui, plus tu as la paix. Une sensation de légèreté, de liberté, de joie. Une sorte de feeling, de sensation que tu n'as pas eue dans le monde. C'est différent, la paix. Tu n'es pas obligé d'y croire, mais moi j'y crois. Et j'ai confiance en lui. Je suis sûre de ce que je dis parce que je m'appuie sur sa parole et de toutes ces expériences que j'ai vécues. J'ai la conviction qu'il a toujours été là et qu'il est toujours là avec toi. C'est pour cela qu'il nous demande de garder la paix. Zalana Kimia. Donc essaye, peu importe le problème, de ne pas te laisser déstabiliser, de ne pas laisser le diable te voler ta paix. Parce qu'elle donne la puissance. La paix donne la puissance de l'esprit, la maîtrise de rester calme. La puissance quand tu dois faire des prières, elle est efficace, la prière, quand tu es calme. Quand ça ne va pas chercher midi à 14h, recueille-toi devant lui, mets-toi à genoux, prie, écoute des louanges, lis la Bible, c'est très important. Et relativise, réapprends à sourire, peu importe le problème, il est important de savoir garder sa paix, histoire de fermer la porte au diable. La négativité n'est qu'une mauvaise habitude, donc la joie, le sourire, le calme, avoir la paix, c'est quelque chose que tu dois réinstaurer comme des habitudes chaque jour et tu verras, ça va changer. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère en tout cas que le sujet vous a touché. Si ça a atteint au moins une personne, c'est objectif atteint à Combo Naïs. Je vous dis à très bientôt. C'était Patia Nzambe Queen P.